c'est Papillon. Je suis guadeloupéen, ça fait maintenant 28 ans que je danse. Et mon objectif premier, c'est de partager mon savoir avec mon peuple et les différentes personnes qui aimeraient le recevoir. J'habite à Paris, j'ai grandi à Paris. Et depuis 10 ans, je fais des allers-retours en Guadeloupe. Parce que je me suis dit, après avoir apporté et partagé avec différentes personnes en Europe, en France et dans le monde, il serait peut-être temps de venir faire les choses aussi chez moi. Alors, au niveau de la danse hip-hop, étant donné que j'ai grandi sur la région parisienne, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu le hip-hop vraiment, le vrai de vrai à fond, début des années 90, donc en 90 exactement, à travers une émission qui s'appelait Rapline. Et dedans, tu avais des rappeurs et tu avais des danseurs. Et c'était, comme on dit sur Paris et en France, c'était la génération Hype. Hype, le nom français, New Jack Swing, le nom américain. Et qui faisait que, voilà, j'ai commencé sur des sons de Bobby Brown, MC Hammer, Kid and Play. Ça, c'est mes références. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, ok, c'est cool de danser, d'avoir cette énergie afro, Charleston, parce que voilà, par rapport à la Hype. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, qui me manquait, on va dire même. Parce que le côté danser, bouger, groover, c'était une chose, mais moi je voulais impressionner. Et en Hype, tu n'impressionnes pas. Les gens kiffent te voir danser, mais tu n'impressionnes pas. Et c'est de là que je me suis rapproché de la technique qu'on appelle en France, je dis bien en France, c'est un terme français, qui est le smurf. Tout ce qui est ondulation, robotique, patin, ralenti, et les blocages en français qui s'appelle le pop en américain. Et à partir de là, je me suis mis à fond dedans. Et j'ai gardé ces deux piliers, un qui était beaucoup pour le groove, pour le style, pour les attitudes, et l'autre qui était beaucoup plus pour les effets, pour la magie. Et j'ai développé ça à fond, et depuis 28 ans maintenant, je suis devenu spécialiste de ces deux styles-là. Et j'apporte ces fondamentaux pour ceux qui veulent développer ce qu'on appelle le hip-hop freestyle derrière, tout ce qui est nouvelle génération depuis fin des années 90, on va dire quand même. Une nouvelle génération, ça fait déjà un bon 20 ans que ça existe quand même. Donc voilà, mais l'idée c'était surtout ça. Donc ma formation elle est autodidacte, mais un autodidacte avec des grands frères derrière. Donc des grands frères qui eux, ça n'a pas été une discussion autour de la danse, c'était une discussion autour du mental. Parce que pour moi, danser, rapper, graffer, DJing et beatbox, ce sont des moyens d'expression. Mais être hip-hop, c'est pas parce que tu es le meilleur dans ce domaine-là. C'est parce que tu as compris c'est quoi la philosophie du hip-hop. Et pour moi, c'était ça le plus important. Et ça, c'est mes grands frères. Mes grands frères qui sont quatre Congolais du mouvement hip-hop. Donc notamment Blaise Pascal, Claise Mpassi, Christian Ndongui et Monsieur Big Dudu Ken, qui sont ces quatre Congolais qui ont grandi dans l'énergie, qui ont développé l'énergie holnésienne au niveau hip-hop. Je suis un danseur debout, comme on dit. Donc moi, c'est Smurf, Hype et Lock. Break, j'en ai jamais réellement fait. Je fais des petits délires parce que, justement, l'un de mes grands, c'est l'un des premiers breakers de France et l'inventeur de la brique, soit disant passant. C'est pas non plus à négliger. Donc, ce qui fait que j'ai toujours baigné dans l'énergie du break. C'est-à-dire, la première fois que je suis rentré dans la salle au quartier, c'était l'énergie du break. Accompagné d'autres styles de danse, hein, parce que ça a toujours été polyvalent chez nous. Mais c'est l'énergie du break qui m'a toujours apporté avec ma danse debout. Donc l'état d'esprit du combatif, l'état d'esprit de la débrouillardise, l'état d'esprit du guerrier. Et j'estime, selon moi, que le breaker est celui qui a le plus l'état d'esprit du hip-hop. C'est vraiment ça l'idée, c'est de garder un bon état d'esprit et de pouvoir valoriser ce qu'on fait à travers la danse hip-hop. Et c'est vrai qu'en tant que danseur debout, je n'ai pas spécialement cherché non plus à être artiste, ça ne m'intéressait pas, j'ai préféré partir dans le milieu de la transmission pour pouvoir continuer à développer. Parce que c'est vrai que le côté artistique, droit du danseur, et j'estime qu'il y a des limites. Quand tu es professeur, tu peux enseigner jusqu'à la soixantaine d'années sans problème. Vraiment, vraiment sans problème, parce qu'après, c'est des techniques, des façons de la pédagogie installée et les choses se font. Alors concrètement, j'ai créé un championnat chorégraphique, j'ai créé un bootcamp, j'ai créé un projet qui permet de proposer l'enseignement de la danse hip-hop dans les écoles qui s'appelle Hip-hop pour tous. Alors moi, l'idée, c'est qu'à chaque fois, avant tout, c'est comment assembler, rassembler, unir les gens de la Guadeloupe à travers la danse et notamment à travers le hip-hop. Sauf que effectivement le championnat transcendant, je me suis dit, c'est que si je me limite au hip-hop, ça ne m'intéressait pas. Donc de là, je me suis dit, je vais faire quelque chose où c'est vraiment ouvert à la danse avec un grand D. Donc hip-hop, roca, viking, danse bretonne, indien, oriental. Vraiment,
et etc, etc. Aujourd'hui, j'ai dû avoir facilement 12 à 14 danses, styles de danse différents dans ce championnat, que c'est vraiment le but. Il n'y a pas de danse élite. Et pour ceux qui veulent jouer le jeu, bien sûr, vous savez, il y a plein de choses sur lesquelles tout le monde a envie de faire plein de choses, mais l'échange et le partage, des fois, ça reste utopique. On a envie par la bouche, puis après, quand on fait les choses concrètes, il n'y a plus personne. Donc nous, en tout cas, on va à la rencontre des différents danseurs guadeloupéens, des différents acteurs de la danse en Guadeloupe. Et bon, pour ceux qui nous ont rencontrés, je pense qu'ils peuvent dire que ce projet, il est efficace dans le cadre de ce qu'on appelle la formation. Et le dernier, c'est Hip Hop pour tous. Justement, je voulais tout simplement dire que le hip-hop, c'est une culture universelle et internationale. Donc celui qui veut, peu importe ta religion, peu importe ta culture, peu importe ta façon de voir les choses, tu peux raconter des belles choses et vivre ensemble. Pourquoi les écoles? Parce que j'estime qu'il faut construire l'avenir, uniquement travailler avec ceux qui savent, former, transmettre, faire passer l'information pour qu'ils puissent tenir le flambeau et continuer à faire avancer les choses. Et vu que moi j'estime qu'au niveau du hip-hop, la danse hip-hop en Guadeloupe, il y a un certain nombre de choses à reconstruire, eh ben moi j'estime que les enfants, c'est avec eux qu'il faut commencer à bâtir les choses. Je suis le grand frère d'un duo qui commence à prendre du galon dans le milieu de la danse hip-hop en France et notamment sur Paris et en international aussi, puisque là ils ont été représentés la France à Las Vegas il y a quelques mois de ça, qui s'appelle les Gamal, deux Guadeloupéens, fiers de l'être, qui nous représentent dignement, donc la France et la Guadeloupe. Je ne dis pas que je les coach, je dis plus que je suis leur grand frère, parce que je leur donne des conseils par rapport à mon expérience, okay, parce qu'ils ont la vingtaine, moi j'ai déjà la quarantaine, donc il y a déjà une marge. Mais ce sont des jeunes qui, pour moi, sont des exemples à suivre, parce que déjà, un, ce sont des Guadeloupéens qui ont commencé ici, deux, qui ont pris du niveau ici, et ensuite ils se sont dit, tiens, on va aller à l'aventure, pour perfectionner ce qu'on sait faire et pour dignement représenter la Guadeloupe. Donc tout ça pour dire que, on va dire le baratin, j'appellerais, qui existe depuis un certain nombre d'années, qui dit que tout se passe ailleurs. Quand tu veux, tu peux. Je pense qu'en 2018, même pas 2018, depuis les années 2000, il y a trop de moyens pour pouvoir faire les choses chez soi et ensuite aller rencontrer les autres dans les quatre coins du monde. Donc le prétexte de vouloir partir ailleurs parce qu'il n'y a rien en Guadeloupe, tant que tu ne comprendras pas que s'il n'y a rien, justement, il faut construire, on continuera le cercle vicieux, ben, il n'y a rien, donc je me barre. Donc il n'y a rien, donc je me barre. Et bien justement, parce qu'il n'y a rien, ben, ça serait peut-être bien de construire. Petite dédicace, ou petit appel, ou petit reproche que j'aurais à donner très sincèrement à nos élites sportives et artistiques, c'est peut-être bien un de ces quatre de penser à venir chez nous, quoi. Là, je parle des Guadeloupéens qui ont un niveau, qui ont un nom. Notamment qui sont mouliens et qui effectivement sont plus que bien placés, mais que je pense que c'est les cadets de leurs soucis de venir en Guadeloupe contribuer et apporter de la pièce à l'édifice. Et c'est pareil que pour les sportifs, et c'est pareil pour les autres artistes, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient un peu importe, comédiens, peu importe. Ça ne les intéresse pas de développer. C'est sûr que de loin et de dire qu'il n'y a rien en Guadeloupe, c'est plus facile. Donc soit, c'est comme ça. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas forcément le même CV, mais qui s'est dit qu'en tant que Guadeloupéen, c'est plus que normal de venir travailler. Et même si je sais que c'est pas évident, je ne dis pas que venir travailler en Guadeloupe, c'est facile. Celui qui ne veut pas travailler avec moi, il n'y a aucune obligation. Par contre, je sais qu'il y en a plein qui ont besoin de personnes comme moi et de ce partage. Mais le début du championnat, c'est le 1er et 2 décembre. Ça, c'est la première qualification, notamment avec les Gamal dans le jury. Deuxième qualification au mois de mars et troisième qualification au mois de mai. Et l'objectif, c'est d'avoir des gens qui nous représentent hors du département. Donc les premiers vont partir dans un voyage de danse intensive pendant une semaine, soit en France, soit aux États-Unis, soit en Martinique, soit en Guyane, en fonction du réseau, soit en Europe. Voilà. L'hip-hop, ce n'est pas une histoire de moyens, c'est toi qui te donnes les moyens. C'est ça que je vais partager avec mes gens en Guadeloupe. Peace, love, unity and having fun. Merci à tous ceux qui ont compris le message. Merci à tous ceux qui œuvrent en Guadeloupe. Parce qu'il n'y a pas que moi. Nous sommes beaucoup. Mais il en faut encore. Et ce qui serait super bien pour finir, c'est qu'on cherche à travailler ensemble. Là, on va devenir puissants.